Alors, après la réalisation donc du jacquard du pull, on va passer à la réalisation du motif. Alors, pour le motif, c'est très facile. Alors, vous allez m'excuser pour le bruit au fond parce qu'il y a un grand vent dehors. Alors, pour pour le motif, vous allez prendre une aiguille simple et alors, je vais voir. Donc, pour les couleurs, donc pour la couleur, vous prenez du noir, et puis du beige et du bleu foncé. Vous pouvez prendre du bleu clair ou bien bleu foncé. Alors, donc, on va réaliser donc le motif sur les rangées en jersey endroit. Donc, voilà pourquoi j'ai mis des rangées du point ajouré et des rangées en jersey. Alors, comme le pull, je l'ai réalisé en top-down, donc on a tricoté. Donc, vous allez réaliser le motif sur les rangées en jersey. Vous allez prendre donc piqué. Vous allez suivre donc la maille complète. Donc, vous allez prendre cette rangée. Et voilà. Excusez-moi, j'ai dit un grand vent dehors. Ça fait du bruit. On va prendre cette rangée pour réaliser notre motif. Vous allez suivre l'exemple donc en vidéo.
Voilà. Donc, alors c'est très facile comme motif. Là, c'est parce que j'ai commencé. Donc, on a tricoté le pull de haut en bas. Donc, on commence pour réaliser donc le motif. On va tourner le travail. Donc, on va tourner l'ouvrage pour réaliser le motif. Donc, de haut en bas. Alors, une fois terminé, donc, vous allez simplement cacher les fils. Et ne coupez pas trop court donc le fil pour finir avec le motif. Alors donc pour moi je vais faire 3 motifs sur le devant, 3 motifs sur le dos et 3 motifs sur chaque manche. Voilà, donc il me reste quand même beaucoup de motifs à réaliser. Donc voilà notre petit dessin. Je vous laisse donc compléter, finir les autres. Et moi aussi, je vais faire de même. Donc, 3 motifs sur le devant. 3 motifs sur chaque manche. Et 3 motifs sur le dos. Voilà, donc moi, j'ai terminé de réaliser donc mon pull. Et j'ai terminé donc avec... Tout le motif. Donc là, j'ai terminé sur la manche. Alors, pour la prochaine réalisation, ça va être une robe et on aura aussi à réaliser donc des motifs. Donc voilà, on va cacher les fils et pour terminer donc notre réalisation. Alors donc chers amis, vous avez le diagramme, donc la photo du motif. Et comme le pull, on l'a commencé de haut vers le bas. Donc votre motif aussi, vous allez commencer à le réaliser du haut vers le bas. Alors donc voilà pour le motif. Donc moi j'ai mis 3 sur chaque partie. Et donc voilà, donc terminé. Alors, il me reste à réaliser la petite culotte qui va aller avec. Voilà. Alors, donc, je vous dis merci déjà d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos appréciations, commentaires. Et je vous souhaite à toutes un très bon début de semaine et une très bonne fête de Pâques à tous ceux qui fêtent Pâques. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous.